Alléluia. Alléluia. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Quelqu'un va lire pour nous Job 20, verset 15. Someone will read for us Job chapter 20, verse 15. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Ce verset traduit une réalité spirituelle. This verse presents a spiritual reality. Peut-être que quand on parle de un serpent a vomi les richesses, un reptile a vomi ceci, tu penses que c'est une invention ou bien une hérésie. Maybe when you talk about a snake has vomited riches or a reptile has vomited other things, you think that they are just fables or heresy. Effectivement, les principautés avalent les richesses des gens. Principalities actually swallow the riches of people. Si vous adorez un python, if you worship a python, toutes vos richesses sont dans son ventre. All your riches are in the belly of that python. Seulement heureux. He was just so happy. Après, afterwards, une autre vision, il voit qu'on est en train de couper les arbres d'une forêt. In another dream, d'abattre les arbres. He saw how trees were being cut down in the forest. Il a compris qu'il avait la victoire sur l'arbre qu'on adore chez eux. He understood that he had had victory over the tree that is worshipped. Dernière semaine du jeûne. On the last week of the fast. Qu'est-ce qu'il voit? What did he see? Un démon. A demon. Un esprit. A spirit. Colosse. A very big spirit. Qui faisait 5 fois sa taille. Which was 5 times his stature. Et cet esprit avait son petit sac. And dans that lequel spirit il met ses effets. Has had his little bag in which he puts his important things. Et ce démon lui dit, voici ton sac, voici ton sac. And that demon told him, this is your bag. Tes diplômes sont dedans, ce sont mes diplômes. Your certificates are inside, they belong to me. Il dit, il était étonné. He said he was surprised. Dans la vision, il se disait, donc je souffre. Je suis en train de souffrir comme ça, c'est toi qui me fais souffrir. In the vision, he said that he was asking himself, so I'm suffering this way, you are the one making me to suffer. Et dit dans la vision, he said in the vision, il a reçu qu'il faut aller arracher le sac. He received that he had to go and snatch his bag. Il est parti. He went. Il partait, le démon était au sommet d'une montagne. As he was going, the demon was on the top of a mountain. Il est parti. He went. Il montait. He was climbing, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'au fur et à mesure qu'il monte, le démon commence à trembler. He discovered that as he was climbing, when he was getting closer, the demon began to tremble. Et le démon a fait un saut pour tomber dans le ravin. And the demon jumped to fall into the ravine. Il a dit, je ne te laisse pas. Il a sauté, il est tombé sur lui. Il a arraché le sac. He said, I will not leave you. He jumped and fell on the demon and snatched his back. Et dit, l'esprit a tenté de le poursuivre. He said the spirit tried to follow him. Il s'est arrêté. He stopped. Il a fait ça. Il a effrayé l'esprit. Like this. Le démon a détalé. And the demon ran away. Il s'est réveillé. And then he got up. Il a dit à sa fiancée, la victoire est totale. He told his fiancée, the victory is total. Après cette victoire en vision. After that victory in the vision. Non, la même nuit. Quand il a remporté la victoire, il s'est couché. Et dans la nuit, Dieu lui dit, va chez tel professeur, il te donne un sujet pour ta thèse. The same night, when he slept back, the Lord told him, go and meet this professor and he will give you a topic for your dissertation. Après 10 ans, after 10 years, il est allé, he went, il a attendu le professeur jusqu'à plus à 13 heures. Lui qui fuyait les professeurs, il avait maintenant la capacité de les attendre. He used to flee from professors. He had the capacity to wait for his professor. Quand until le professeur est venu, 1 p.m. Je suis en train de laisser tous les détails. Le professeur lui a donné un sujet. I'm leaving all the details. When the professor came, he gave him a topic. Il s'est enfermé. He locked up himself. 6 mois, il a fini la rédaction. After 6 months, he had finished writing. Il a soutenu. He defended. Mention très honorable. He had very good, excellent. Hallelujah. As results.
Hallelujah. C'était la dernière année pour lui de déposer le dossier pour le recrutement à la fonction publique. And it was the last year for him to drop his files for recruitment to the public service. Donc après 10 ans, il était déjà âgé. 10 ans de torture démoniaque. After 10 years of demonic torture, he was already of age. On examine le dossier, il est retenu, recruté, médecin, fonction publique. His file was examined and he was retained as a medical doctor in the public service. Aujourd'hui, s'il est connecté, il doit être en train de m'écouter comment je tente de résumer son témoignage. Today, if he's connected, he will be watching and seeing how I'm trying to summarize his testimony. J'ai parlé d'un serpent qui avale les biens. I've spoken about a snake that swallows wealth. Et notre témoignage nous parle d'un esprit qui a pris le diplôme d'un jeune homme. Another testimony is talking about a spirit that took the certificates of a young man. Et parce que ces diplômes sont entre les mains d'un esprit démoniaque. And because his certificates are in the hands of a demonic spirit, il a un comportement inexplicable. He had an unexplainable behavior. Il souffre. He suffered. Misérable. It was miserable. Il dit qu'il avait le pantalon, c'était usé même. Quand tu es comme ça, tu vois ça, tu vois la peau à travers son pantalon, usé, tu vois. When you look at it, you could see his leg through the trousers. Beaucoup souffrent. Many are suffering. Parce qu'on a pris ce qui leur appartenait dans le domaine invisible, dans la sorcellerie. Because they have taken what belongs to them in the invisible, in witchcraft. Toutes ces idoles que les ancêtres ont introduites dans les familles, et même que nous-mêmes, certains sont partis les chercher. C'est-à-dire, les ancêtres ont introduit des idoles, eux-mêmes, ils ont grandi, ils sont allés chercher d'autres idoles. Maintenant, c'est la confusion totale. All those idols that ancestors worshipped, and the ones that some people in this age went and looked for them, are bringing total confusion into families. Le Seigneur m'a révélé une chose. The Lord revealed something to me. Tout ce qui existe. All that which exists. Tous les corps, tout ce qui est matière. All the bodies, all that is material. A une représentation dans le monde invisible. Has a representation in the invisible. Si tu vois un diplôme, il y a ce diplôme-là existe spirituellement. If you see a certificate, that certificate exists in the spiritual. Quand le sorcier prend le diplôme invisible, when the witch or the wizard takes the invisible certificate, ce que tu gardes là, c'est un faux papier qui ne pourra rien devenir. That which you have in hand is just a piece of paper which cannot produce anything. Comme nous avons vu hier, as we saw yesterday, à cause de l'idolâtrie, Dieu a décidé que comme vous voulez servir les idoles, allez les servir. Because of idolatry, God decided that since you want to serve idols, go on and serve them. Il a dit dans Jérémie que quand vous dites au bois que tu es mon père, ou vous dites à la pierre tu m'as créé. Maintenant quand vous avez des problèmes, vous criez, oh Dieu sauve-nous. Il dit allez donc, le bois va vous sauver, la pierre va vous sauver. He says, when you say to the wood, you are my God, and to the rock, you created me. And then when you have a problem, you cry, oh God, save us. He says, go to the rocks and to the wood for them to save you. C'est une réalité spirituelle. It is a spiritual reality. Dieu a livré les nations aux idoles. God has aux given esprits up démoniaques. Nations to idols and to demonic spirits. Parce qu'ils ont dit, because they said, qu'ils veulent adorer les reptiles, les arbres, les oiseaux, c'est écrit dans Romains, on a lu ça hier. Reptiles, trees, birds, and it is written in Romans as we saw. Je dis, je verrai donc comment un hibou va te sauver. He said, I'll see how the owl will save you. Maintenant, tu veux dormir, un hibou est là pour frapper des ailes sur ton visage. Tu commences à crier, ah ah ah, Seigneur, sauve-moi. And now you want to sleep, the owl is there and hitting his wings on your face, and you are crying, oh Lord, save me. Les reptiles, les pitons. Reptiles, pythons. Tu es couché là, un vient juste se coucher. Tu sens une forme glaciale là. C'est pas qui veut te confesser son amour. You are sleeping there and you just feel a very cold presence beside you with a spirit that has come to confess his love. Il y a une sœur, je sais pas si elle est là. There's a sister, I don't know if she's here. Elle dit que son mari
était devenu soudainement riche. She said her husband suddenly became rich. Il avait l'argent dans son compte, il avait l'argent à la maison, il y avait des millions, hein. There was money in his account, money at home in millions. Après sa mort, after his death, elle voit dans un songe un serpent avec une fleur she saw dans in sa a bouche. Dream, a snake with a flower in its mouth. Elle lui dit, si tu veux conserver les richesses, il faut qu'on se marie. C'était une rose, il avait une... Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Elle allait déjà crier que par ça, je suis là. She donc, said, if you want to preserve avec une rose, riches, si tu veux conserver la richesse, il faut qu'on se marie. You want to preserve the riches, we need to get married. La sœur a dit non. The sister said no. Elle s'est réveillée. And then she got up. Elle dit que elle ne sait pas comment cet argent est fini. She says she doesn't know how this money got finished. Elle dit à la maison il y avait au moins 18 millions. Ça dit ça finit comme quand quelqu'un dit comme tu ne veux pas, ok, donne-nous notre argent. She said in the house there was about 18 million and the rest and the money just got finished like l'argent à la maison, l'argent dans les comptes, c'est fini comme le vent. The money just finished like the wind. Elle a refusé le mariage avec un python. She refused to get married to a python. Si elle avait accepté ce mariage, if she accepted that marriage, la richesse a demeuré. The riches would have stayed. Et quand elle meurt, and then when she dies, elle va dans le lac de feu et de soufre. She will go to the lake of burning fire and sulfur. Les esprits existent, que personne ne vous trompe. Spirits exist. Let no one deceive you. Que quelqu'un ne te trompe que non, Jésus, ils existent, mais Jésus les a vaincus. God, and then he showed us that he is the true God. Pour les vaincre. To overcome them. Première chose. First thing. Tu donnes ta vie à Jésus. You give your life to Jesus. Deuxième chose. Second thing. Tu proclames sur ces esprits-là le jugement que Dieu a proclamé depuis des siècles. You proclaim on those spirits the judgment that God has proclaimed on them since time past. Toute l'Église, the whole church, constitue une puissance contre cette armée de Satan. Constitute a force against this army of Satan. Tous les frères qui sont engagés pour l'avènement du règne de Jésus dans les familles, vous serez des couronnes. All the brethren who are committed for the reign of God to come on families, you have crowns. Un petit enfant intelligent, a little intelligent child, devient fou, becomes mad, parce qu'on l'a envoûté, because he was bewitched. Deux têtes de poisson séchées dans son sac, two heads of dried fish. Il fuit l'école en septième année de médecine. He escaped from school on his seventh year in medicine. Tu peux l'insulter, tu blâmes, tu insultes. Il ne sait pas, c'est plus fort que lui. You can insult him and blame him. He doesn't know. Il ne sait même pas ce qui lui arrive. It is something stronger than him. He doesn't know what is happening to him. David said. Le Seigneur le délivre de son adversaire plus puissant que lui. The Lord delivers him from his enemy who is stronger than him. Il dit, il m'avait surpris au jour de la détresse. He said they came upon me on my day of trouble. Même un enfant de Dieu, even a child of God, consecrated, peut être surpris au jour de la détresse. Can be surprised on the day of trouble. Un ennemi peut entrer dans ta vie. An enemy can get into your life. Subtilement. In a subtle way. Il commence à te torturer. And begins to torture you. Tu as besoin de délivrance. You need deliverance. Le diable a peur des gens qui connaissent la vérité. The devil fears those who know the truth. C'est pour cette raison que l'autre jour nous avons prié que Dieu nous révèle ce qu'il y a de caché dans nos combats. That is why the other day we pour la victoire totale. That God should reveal to us the hidden things in our battle. For total victory. Lis pour nous Jérémie 33 verset 1 à 3. Read Jeremiah chapter 33 verse 1 to 3 for us. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute.
lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. God is opening your eyes. Pour que tu comprennes que ce sont des choses spirituelles. So that you should understand that these are spiritual things. On ne peut pas les résoudre avec l'intelligence humaine. They cannot be resolved with human intelligence. Il faut une sagesse qui vient de Dieu. Need wisdom that comes from God. Il faut une sagesse qui vient de Dieu. You need wisdom from God. Lis pour nous Ephésiens chapitre 3 verset 10. Read Ephesians chapter 3 verse 10. Afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu a décidé. God has decided de révéler ces choses à l'Église. To reveal these things to the church. Pour que même les méchants esprits. So that even the wicked spirits réalisent que cette affaire de Jésus est réelle. Should realize that this issue of Jesus is true. C'est-à-dire Jésus a travaillé. So it means that Jesus worked. Les gens l'ont tué et croyaient que c'est fini et qu'ils ont enlevé la lumière du monde. People killed him and thought that it is over, that they are taking off the light from the world. Mais le vrai plan de Dieu, but God's true plan, était de créer un royaume de prêtres, c'est-à-dire un royaume de sacrificateurs. Was to create a kingdom of priests. Les vrais sacrificateurs. True priests. Capables d'intervenir. Capable to intervene. Avec l'esprit de Jésus. With the spirit of Jesus. Pour la délivrance des captifs. For the deliverance of captives. Relis ce passage là. Read that passage once again. Afin que. So that. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. C'est pour cette raison, même les petits enfants te disent, j'ai eu une vision. It is for that reason that even little children can say, I had a vision. On m'a délivré d'un mari de nuit. I was delivered from a spiritual husband. Dans le monde, in the world, on dit non, c'est ton mari, il faut lui donner à manger. Il faut prendre un drap blanc, tu te couvres. Mais Jésus te dit, c'est Satan. The world will tell you that, no, it's your husband. Take care of him, take a white bedspread and put it over you. Jésus te dit c'est un démon, chasse-le. Jesus says it's a demon, cast him out. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a déversé la sagesse dans l'Église. God has poured his wisdom upon the church. C'est une grande science. It is great science. Quand tu pries. When you pray, quand tu dis, when you say, que toute richesse, that all riches, qui est dans le ventre, that is in the belly, d'un python, of a python, soit vomi, may be vomited. Le python dit, qui leur a dit ça, qui leur a montré ça? The snake will say, ah, who told them this? Ils savent déjà ça. They already know it. Dis, nous proclamons. So we proclaim que Jésus a déverser la sagesse dans l'Église. That Jesus has poured his wisdom upon the church. Afin que relis. So that. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Lis 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Qui a révélé ça? Who revealed that? Qui nous donne la sagesse que dans ce combat ne prenons pas les machettes et les lances? Acclamons Jésus-Christ. Who revealed to us that in this warfare we should not take machettes and spears? On m'a dit qu'il y a dans certains milieux les gens partent à la prière avec les machettes. Also ce n'est pas charnel. In some circles, people go ce n'est pas charnel. With machettes. L'Église a le secret, l'Église a la sagesse. The church has wisdom. L'Église peut t'enseigner comment faire. The church can teach you how to. La première chose. The first thing. Il ne faut pas haïr les individus. You should not hate individuals. C'est spirituel. It is spiritual. Ne tue pas les gens. Ne dis pas qui meurt du mort atroce, qui meurt. Non, ce n'est pas charnel. Do not kill them. Don't say that they should die a horrible death. Ce n'est pas charnel. C'est écrit. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes. Mais elles sont puissantes. But they are mighty. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour faire quoi?
Pour renverser des forteresses. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Pull down strongholds. Avec les bâtons et les haches et les... Ah, acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. No. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. The weapons of our warfare are not carnal. Ça c'est la sagesse de l'Église. That is the wisdom of the Les church. Armes sont spirituelles. Our weapons are spiritual. Pour renverser les forteresses. To overthrow strongholds. Continue. Verset 5. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. We overthrow reasonings. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Every height that builds up itself against the knowledge of God. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. And we bring every thought captive to the. Quand tu prêches l'évangile. When you preach the gospel. Tu dis abandonner le vol. You say abandonner l'adultère. Abandon l'adultère. Ça, nous sommes en train de changer la manière de penser des hommes. We are changing men's way of thinking. Tout le monde doit obéir à Jésus. Every man must obey Jesus. Tout le monde. Everyone. L'Église. The church. A reçu la sagesse de Dieu. Receive the wisdom of God. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu n'es pas un petit là où tu es assis. You are not small where you are seated. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Nous renversons les raisonnements. We overthrow our reasonings. Quand quelqu'un se convertit, when someone gets converted, c'est une grande victoire sur toutes ses pensées impures. It is great victory over all his impure thoughts. Sur sa conception païenne du monde. Over his pagan conception of the world. Ses raisonnements. His reasonings. Certains sont parmi vous ce soir. Ils ont des raisonnements. On va tout renverser. Vous allez donner vos vies à Jésus. Some are among you this evening. They have all kinds of reasonings. We will overthrow them and you give your life to Jesus. Je prêchais l'évangile. I was preaching the gospel. À quelqu'un dans un car. To someone in the bus. Et je lui parlais de l'adultère. And I was speaking to him about adultery. Il me dit, mais si on ne commet pas l'adultère, on va avoir les enfants comment? He asked me, if we don't commit adultery, how are we going to have children? Vous voyez un raisonnement banal. You see, j'étais encore au lycée. I was still in high school. Je lui ai dit non. L'adultère est un péché, mais la sexualité est un don de Dieu. I said to him, adultery is a sin, but sexuality is a gift from que God. Que c'est Dieu qui a donné les organes sexuels. It is God who gave our sexual organs. Et pour avoir des enfants, on se marie. Vous voyez un petit enfant qui enseigne à un grand monsieur. And to have children, we should get married. You see a little boy. J'étais au lycée. An elderly person. I was still et in j'étais high même jeune converti. And I was a young converted. J'ai dit non. I said no. L'adultère est un péché. Adultery quand is tu a prends sin. Une femme pour épouse, même si vous voulez avoir plusieurs enfants, ça c'est la volonté de Dieu. When you take a woman as a wife, even if you have to want to have many children, that is the will of God. Tu renverses ce raisonnement. You overthrow that reasoning. Si on ne commet pas l'adultère, on va avoir les enfants comment? If we don't commit adultery, how are we going to have children? J'étais à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. I was at the borders between Côte d'Ivoire and Ghana. Je prêchais. I was preaching. Quelqu'un me dit. Someone said. Bon, moi j'aime les femmes, donc je les aide. He said, oh, I love women, so I help them. Je lui dis que on n'aide pas les femmes en couchant avec elles. Si tu les aimes, donne-leur l'argent sans coucher avec elles. I told him, you don't help women by going to bed with them. If you love them, give them money without sleeping with them. Mais Jésus est merveilleux. Jesus is wonderful. Il a rempli l'église de sagesse. He has filled the church with wisdom. Des sacrificateurs. Lis pour nous Apocalypse chapitre 1 verset 6. Read for us Revelation chapter 1 verse 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume. He has made of us a kingdom. L'église est un royaume des sacrificateurs. The church is a kingdom of priests. Les gens qui peuvent consulter Dieu. People who can consult God. Les gens qui peuvent se tenir entre Dieu et les pécheurs. People who can stand before God and sinners. Des gens qui peuvent prier pour le peuple. People who can pray for the people. C'est-à-dire qu'ils peuvent présenter des sacrifices à Dieu pour qu'ils soient favorables au peuple. People who can present sacrifices to God for him to be favorably disposed to the people. Si tu es assis là où tu es là. If you are seated right where you are. Tu es dans tes fonctions de sacrificateur. You are
fulfilling your function as a priest. Si tu pries seul, if you pray alone, sans l'église, without a church, tu es hors sujet. You are out of topic. Je vous dis une vérité. Let me tell you a truth. Quand les choses concernent la sorcellerie, l'occultisme, when things concern witchcraft and occultism, si tu te présentes en tant qu'individu, if you present yourself as an individual, tu n'auras pas la victoire. You will not have victory. Il faut aller en tant qu'église. You need to go together as a church. Au moins avec un frère. Deux, ça forme déjà l'église. Or at least with another brother. C'est pour cette raison que Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la tête, deux d'entre vous. That's why Jesus said, if two of you pour demander une chose en mon nom, ask for something in my name, elle sera accordée. It will be given to you. Si c'est des prières telles que donne-moi le pain quotidien, tu peux prier seul dans ta maison. If it's prayers like give me daily bread, you can pray in your room alone. Si c'est pour dire, if it's to say, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous dispersons le collège des sorciers. We scatter the college of witches. Si tu te tiens isolé seul, if you stand alone, isolated, c'est pour cette raison que tous les rétrogrades, that's why all backsliders, sont déjà défavorisés. I've already prone. Si y a un problème entre toi et un frère, résous ça rapidement. If you have a problem with a brother, solve it. Ne brise pas la communion fraternelle. Do not break brotherly fellowship. Si tu la brises volontairement, if you break it voluntarily, tu ne seras plus devant Dieu comme l'église. You no longer be before God as the church. Tu seras un membre isolé. You'll be an isolated member. Un jeune homme avait rendu témoignage. A young man testified. Il n'était pas dans une. Il avait cru en lisant les livres du frère Zach. He had believed by reading the books of Brother Zach. Et il n'avait pas intégré les assemblées. And he was not a member of any assembly. Et il avait commencé quelque chose qui était comme son œuvre. And he had started something which was like his work. Un jour, one day, il dit qu'il a prié un jeune pour prier qu'il voulait stopper l'effusion du sang. He said I took a fast one day that he wanted to stop blood transfusion. Il y avait des troubles. There was trouble. Donc il avait voulu s'opposer à l'effusion du sang. So he wanted to oppose blood infusion. Il dit que dans la vision, he said in the vision, les esprits l'attrapent, tournent comme ça, traînent par terre. The spirit took him, turned him around, and pulled him on the ground. Il a souffert. That he suffered. Les démons le maltraitent. The demons maltreated him. Et finalement, il a cherché notre ministère. Finally, he looked for a ministry. Il m'a raconté la vision. He shared the vision with me. Je lui ai dit, ton problème, c'est que tu voulais t'opposer à Satan toi seul. Ça ne se fait pas. I told him that your problem was that you wanted to oppose Satan alone. It is not done. Il faut l'église. You need the church. L'église peut dire à Satan, stop, personne ne sera perturbé. Parce que c'est la puissance. C'est l'église que Jésus a bénie pour être un témoignage. Ce n'est pas des individus. The church can tell Satan to stop and it will be done. It is to the church that God has given the power and not to an individual. Afin que les dominations et les autorités connaissent par l'église. So that par l'église. And authorities will know through the church. Pas par Amarataka. J'invente quelqu'un pour que Amarataka. Ça ne tombe pas sur un être humain réel. I'm just inventing someone so that you not fall on a real human being. Si tu es Amarataka, if you are Amarataka, tu dis je veux combattre. You say I'm going to fight. Tu vas voir. You see. Mais si tu te convertis, but if you get converted, tu donnes ta vie à Jésus. You give your life to Jesus. Tu te baptises. And you get baptized. Jésus t'ajoute à l'église. And Jesus adds you to the quand church. L'église va se lever, when the church will rise, quand il dit nous prions, and says we pray, et ta petite voix est dedans, aïe aïe aïe, little voice is inside, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Quand c'est dans le contexte de l'église, when it is within the framework of the church, et lis pour nous Joël. Read for us Joel. Joel chapitre 3 verset 10. Joel chapter 3 verse 10. Psaume 68 verset 29. Psalm 68 verse 29. De vos hoyaux, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen.
Vous voyez, écoutez comment la phrase est construite. You see how the Devo oyo forger, pas forge, forger. Says from your points, create. Pas forge. He's not talking to a single person. C'est forger. He's telling the group. En tant que peuple. As a people. Maintenant, s'il y a quelqu'un dedans qui tremble, qu'est-ce qu'il doit faire? So if there is one among them who is trembling, the weak should say, que le faible dise, je suis fort. I am strong. Quand l'église engage un combat, when the church is committed to warfare, même si tu n'as pas la force, even if you are not strong, ne dis pas je vais d'abord me préparer tout ça, si tu perds le temps. Dis je suis capable, je suis fort. Don't say I'm going to prepare myself. Say I'm capable, I'm strong. Quand les frères avancent, tu avances seulement. When the brethren move forward, you move même forward. Même le faible, weak. Je suis fort. I'm strong. Je suis fort. I'm strong. Que l'ennemi va voir aujourd'hui. The enemy will see today. Nous allons l'anéantir. We are going to bring on him to que celui-ci aussi s'en va dans cette affaire. You say, but this one too is going. Tu dis oui. Say yes. Oui. Yes. Lis le psaume 68, verset 29. Read Psalm 68, verse 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand le combat arrive à ce niveau-là. When the battle gets to that point. Si tu dis Seigneur, je ne peux. Hey, sois fort. You say, oh Lord, strong. Et si parle l'Éternel. Thus says the Lord. Je veux que tu sois puissant. I want you to be mighty. Si tu dis, j'ai compris, Seigneur. You say, I have understood. Je suis fort. I'm strong. Alléluia. I'm strong. Et tu verras. And you see. L'ennemi va tomber. The enemy will fall. Ça va t'étonner. You will be surprised. Ça va t'étonner. You will be surprised. Que moi qui croyais que je ne suis rien. I would thought that I was nothing. Vous savez, la première fois quand je suis entré en contact avec le ministère de délivrance. You know, the first time I got into contact with the ministry of deliverance. J'avais déjà vu les gens crier loin, démon sort, le démon crie, ah, sort, waouh. I'd already seen people shouting at a distance, demon go out, demon shout. Un jour, one day, un démon s'est manifesté devant moi. A demon manifested itself before me. Je suis allé appeler un frère aîné. I went to call an elderly brother. Et nous deux, on était là. And then together we're le there. Frère commande. The brother commanded. Il commande. He commanded. Je montre la vision. Where I'm showing. Commande. He commanded. Je me suis approché. Then j'ai I dit, got close. Au nom de Jésus. I said in the name of Jesus. L'esprit dit, ah! L'esprit say, ah! Ne prononce plus ce nom. Do not pronounce that name again. Dit, hey, moi aussi. I said, oh, me too. J'étais heureux. I was happy. Que de ma bouche. That from my mouth. Le nom de Jésus est sorti. The name of Jesus came out. Le démon crie. And the demon shouted. Il me demande de ne plus prononcer ce nom. And then he asked me not to call that name again. J'avais des fiches Bristol, comme j'étais au lycée, les fiches sur lesquelles j'ai résumé les leçons. I had some blog notes. J'ai même oublié d'avoir la délivrance. My lessons. J'ai oublié la délivrance. I forgot the deliverance. Je suis allé écrire les actions de grâce dans la fiche. Jésus est puissant. On n'a même pas encore fini, mais j'étais déjà heureux. The deliverance was not yet over. Et I was already so happy. Je me disais, donc. Ce n'est pas une affaire des grands. I said, well, this matter is not something of big. Je croyais qu'il y a quelque part une initiation dont ma bouche même a commandé au démon, le démon a crié. I thought that there was supposed to be an initiation, but my mouth commanded the demon. J'ai and cru que dans ces choses-là sont vraies. So I believe that these things are true. Puisque moi-même, il n'y a pas de magie dans ma vie, il n'y a rien, et c'est le nom de Jésus seulement. Since in my case there's no magic and there's nothing, only the name of Jesus. Ça va t'arriver. It will happen to you. Quand tu vas dire au nom de Jésus. When you say in the name of Jesus. Le feu descend. Fire will come down. Tu vas même douter. Tu vas te poser la question. Est-ce que nous étions deux à demander ça? And then you'll be surprised and ask yourself, were we two of us in this place? Avant de te rassurer que oui, c'est ta bouche, ta petite bouche là. Before realizing that well, it's your mouth. That que small tu mouth. Méprises là, ta petite bouche que tu méprises. That small mouth that you despise. A commandé le feu. Commanded fire. Le feu est descendu. And fire came down. Donc ce soir. So this evening. Tu vas demander que tout ce qui a été vomi, même si tout ce qui a été avalé soit vomi. You're going to ask that everything that was swallowed should be vomited. Si c'est entre les mains d'un homme ou d'une femme qu'elle vienne déposer. If it is in the hands of a man or a woman, she should come, he or she should come and drop it. Et il y a déjà eu beaucoup de cas où l'ennemi est venu déposer. There have been many cases where the enemy came and dropped.
Et j'aimerais vous dire une chose. I want to tell you something. Je suis en train de préparer un livre. I'm preparing a book. Où je montre la vision. Where I'm showing a vision. Et je montre le résultat après. And I'll show the results afterwards. Parce que quelqu'un peut croire que quand les gens disent j'ai vu une maison cassée, toute ma famille est sortie. Je vais vous dire que voici cette personne qui avait vu la maison cassée, toute la famille est sortie. Voici leurs membres qui sont tous croyants maintenant. Many people think that when they say, "Well, I saw a house and then my family came out," it's just stories. But I'll show you that this is a person who had this vision, and then behold, je veux vous montrer que voici quelqu'un qui a arraché son diplôme après tant d'années de chômage. Il a vu en vision qu'il a récupéré son diplôme. Voici comment il a obtenu miraculeusement un emploi. I'll show you that this is someone who was unemployed for this number of years. And he had this vision, and this is how he got a job. Miraculously. Nous n'avons pas de vaine vision. We don't have vain vision. Si tu as l'esprit de discernement, écoute bien ce que les frères voient. If you have the spirit of discernment, listen attentively to what the brethren see. Quand une sœur te dit que depuis un an je cherche le travail, j'ai demandé 10 choses. La première ou bien la deuxième était le travail, et on m'a appelé que tu commences à faire du monde. C'est pas le rêve. When the sister tells you that I've been looking for a job for the past year, I've been praying for a job, and I wrote it among my 10 topics. It was my second topic. The Lord answered, and they called me to come and begin work. These are not just stories; they are reality. Et je veux exhorter les frères qui nous écoutent en ligne. I want to exhort the brethren listening to us online. Certains veulent que je fasse un effort pour inclure tout le monde. Some people want me to make an effort to include everyone. En réalité, ce que nous faisons, c'est une expérience locale. What we are doing is a local experience. Dans le but de résoudre les problèmes que nous avons rencontrés dans le ministère pastoral de l'église locale. The goal is to solve problems that we've encountered in our local pastoral ministry. Donc dans la conception même, on ne pense pas que beaucoup de personnes vont écouter. So in our conception, we don't even think that many people listen to. Mais nous sommes bénis quand nous apprenons que quelqu'un s'est mis à prier comme nous prions et il a été béni. But we are blessed to hear that someone listened and prayed as we are praying and then has been blessed. Donc, je vous invite donc quand nous prions. So I'm inviting you that when we pray, dans ta pensée, in your mind, include tous ceux qui sont avec nous dans la prière. Include all those who are with us in prayer. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Because it is the work of God. Il est écrit ce que Jésus donne à un. It is written ce qu'il that révèle à un, il le révèle à tous. What Jesus reveals to one, he reveals to all. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, en portant les autres dans l'esprit, Dieu va agir. Il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent. So while carrying the others in your spirit, Jesus will work. There are many who are following. Les esprits de vol existent. Spirits of theft exist. Tu peux rêver qu'on a arraché ton sac. You can dream that your bag was snatched from you. Et puis tu vois que c'est difficile. And then you realize that things get difficult. Quelqu'un te promet quelque chose, il oublie. Someone promises something to you and then he forgets. Tu ouvres ton sac, tu crois qu'il y a 20 000 francs dedans, tu trouves qu'il y a 5 000 francs. You open your bag, you think that there is 20,000 francs and then you find that tu it's just 5,000. Tu as peur de dire qu'on a volé, tu te poses la question, c'était 20 ou bien 5. And then you are afraid to say that it was stolen and you ask yourself, ce sont was it 20? Ce sont des phénomènes spirituels. These are spiritual phenomena. Que le faible dise, let the weak say, I am strong. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout. Stand, please. Des rêves comme quelqu'un qui est dans la forêt et n'arrive pas à sortir. Ne prends pas ça à la légère. Dreams like someone who finds himself in the forest and cannot come out, do not take it lightly. Tu es là, tu veux te marier. Il n'y a pas de mariage, mais chaque jour, un homme est dans ta vie, un homme est sur ton lit. Chaque jour. You want to get married, you are unable, but every day you find a man on your bed. Qu'on ne te trompe pas. Do not be deceived. C'est un démon. It's a demon. On a dit à quelqu'un quelque part, ne le chasse pas, c'est Jésus. Someone was told somewhere, don't cast him out, it's Jesus. Je lui ai dit, ce sont les satanistes. I told the person that they are satanists. Que quelqu'un te dise que mari de nuit c'est Jésus, c'est-à-dire il faut que il sorte de l'enfer pour venir évangéliser. For someone to tell you that a spiritual husband is Jesus, he needs to come out from hell to come and evangelize. Ça ne sera jamais Jésus, il faut chasser. It will never be Jesus. You need to cast him out. Tu as reçu le pouvoir.
You receive the power de chasser les démons. To cast out demons. Et tu es fort. And you are strong. Là où tu es là, tu ne peux pas dire ça me dépasse. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Right where you are, you cannot say it's above me. Your God commands you to be powerful. Il n'y a même pas d'entraînement, pas d'exercice à faire comme les gens font dans le football. Avant d'entrer là, on dit tu vas t'échauffer et il se fatigue là. En Jésus, tu sors seulement, tu dis je suis fort. There's no training or rehearsals as people do when they want to play a football match. In Jesus, you just come. Et tu engages le combat. And you begin the warfare. Dis d'abord Jésus merci parce que c'est une nomination. First of all, tell Jesus thank you because it's a nomination. Dis c'est une ordination. It's an ordination. Sans argent. Without money. Je suis établi. I'm established. Dans la sacrificature, dans ma fonction de sacrificateur. In my priesthood, in my function of a priest. Et c'est toi qui m'établis. And it is you who establishes. Oh Jésus-Christ. Oh Jesus Christ. Merci, merci, merci. Thank you, thank you, thank you. Maintenant, commence à prier. Now, dis Seigneur, que tout ce qui nous a été, tout ce qui a été volé, avalé ou gardé quelque part, ou mis dans la poche de quelqu'un, or hidden somewhere in someone's pocket, partout où ça se trouve, wherever it is found. Tout ce qui a été volé spirituellement. All that was stolen spiritually. Partout où ça se trouve. Wherever it is found. Tout ce qui a été volé spirituellement. All that was stolen spiritually. Partout où ça se trouve. Wherever it is found. Partout où ça se trouve. Wherever it is found. Que cela soit rendu. May it be brought back. Que cela soit rendu. May it be brought back. Si c'est dans le ventre. If it's in the stomach. Que cela soit vomi. May it be vomited. Que cela soit vomi. May it be vomited. Si c'est dans les mains de quelqu'un. If it's in someone's hand. Que cela soit arraché. May it be snatched. Arraché, déposé. Snatched and dropped. Déposé. Dropped. Restitué, restitué, restitué. Restituted, brought back. Restitué. Restituted. Arraché. Snatched. Restitué. Restituted. Continue à prier. Continue to pray. Dis c'est un ordre. Say it's an order. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis c'est un ordre. Command. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis nous. Say we. Commandons. Command. Que tous. Tout cela, that all, toute richesse, all riches, soit remise, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si nous commandons, so we command, que tout ce qui a été avalé soit vomi, that all that was swallowed be vomited, ce qui a été enterré soit exhumé, all that was buried, soit déterré. Soit déterré. Que ce qui a été arraché soit remis. Dis c'est un ordre. It's a command. Au nom de Jésus. Of Jesus. Dis nous tourmentons toute puissance. Say we torment every power. Qui voudrait opposer une résistance. That wants to pose a resistance. Qu'elle soit tourmentée. Be tormented. Qu'elle soit tourmentée. Be tormented. Que le repos lui soit enlevé. The rest be taken away. Car il est écrit. Before it is written. Il n'y aura point de paix pour le méchant. No peace for the wicked. Il n'y aura pas de paix pour le méchant. No peace for the wicked. Il n'y aura pas de paix pour le méchant. No peace for the wicked. Jusqu'à ce que tout soit vomi, tout soit vomi. All is vomited. Que tout soit remis, que tout soit remis. All is taken back. Que tout soit remis, que tout soit remis. Given back, given point de paix pour le méchant. No peace for the wicked. Point de paix pour les voleurs. No peace for the thief. Point de paix pour les voleurs de bénédictions. No peace for the thief of blessings. Point de paix pour les voleurs de bénédictions. No peace for the thief of blessings. Point de paix pour les voleurs de bénédictions. No peace for the thief of blessings. Point de paix. No peace. Pour les démons. For demons. Cachés derrière l'idolâtrie. Hidden by idolatry. Point de paix. No peace. Pour tous les démons. For demons. Cachés derrière l'idolâtrie. Hidden by idolatry. Dis, nous proclamons. So we proclaim. Que le bois n'est rien. That wood is nothing. Le cours d'eau n'est rien. That water source is nothing. Mais le Seigneur nous a révélé. That the Lord Jesus revealed to us. Que les puissances de Satan. That the power of Satan. Se cache derrière les morceaux de bois. Is hidden behind pieces of wood. Se cache derrière les arbres. Behind trees. La sagesse. Wisdom. Nous a été donnée. Has been given to us. Pour tous démons. For every demon. Caché derrière les cours d'eau. Hidden behind water source. Les arbres. Behind les trees. Pierres. Behind nous vous jugeons. We judge you. Nous vous jugeons. Nous vous condamnons. Condamn et nous commandons. Command. Que tout ce que vous avez volé soit restitué, soit restitué, soit restitué. Soit restitué, soit restitué. Soit restitué, soit restitué. Soit restitué, soit restitué. Soit restitué, soit restitué.
Diplôme, certificates, argent, money, mariage, marriages, prospérité, prosperity, enfantement, tout ce qui a été volé doit être restitué maintenant. Restituted right au now, nom de Jésus. In the name of Jesus. Point de repos pour toi. No rest nous te foudroyons. We strike down. Continue à prier. Continue to pray. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Tu restes concentré. Please concentrate. Si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, cette prière ne peut pas marcher pour toi. If you have not given your life to Jesus, this prayer cannot work for si you. Si tu veux que Jésus vienne à ton aide, if you want Jesus to come to your aid, viens lui donner ta vie. Lève-toi, viens come ici. Come and give him your life. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu veux le faire, viens ici. If you have not yet done so and you want to do it now, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez, venez maintenant. All those who want to give their lives to Jesus, come, come now. Venez, 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 venez. Please come right now. Viens, viens, viens. Please come. Où sont les autres? Oui. Where are the others? Oui, allez là. Venez rapidement parce qu'on va continuer la prière. Come quickly because we are going to continue with prayer. Où sont les autres? Venez, 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 même si. Venez, venez, venez. Come, come, come. Jésus te sort de la prison. Jesus is taking you out of prison. Venez, venez, venez. Come, come, come. Acclamez, acclamez très fort. Please clap. Acclamez encore plus fort que ça. Clap louder, louder than that. Il y a des démons qui n'aiment pas les acclamations. Acclame. There are demons that don't like clapping. Nous allons commencer la prière. Si tu veux venir, viens maintenant. Viens vite, vite. We're going to begin praying. So if you want to come, you should come right. Rapidement, rapidement. Quickly, quickly, please. Abandonner. Si tu es rétrograde, viens. If you are a backslider, c'est la même chose. Come. Viens commencer ta marche avec Jésus. Tu es rétrograde, viens. If you are a backslider, come. Le diable est méchant. Devil is wicked. Que le faible dit je suis fort. Let the weak say I'm strong. Au pied du crucifié, abandonner toutes tes voies passées. Satan, va-t'en, retire-toi. Satan, be gone, withdraw. Ta marche avec Jésus. Satan, va-t'en, retire-toi. Satan, be gone, withdraw. Il n'a jamais.
bien cher ami, au pied du crucifié. Si le diable te dit ne va pas, n'obéis pas. Not to go, do not obey. Va-t'en, Satan. Be gone, Satan. Bien commencer ta marche avec Jésus. Le diable est derrière. The devil is behind. Il te dit ne va pas, ne va pas, ne va pas. He tells you don't go, don't go, don't go. Que tu vas te prostituer, tu vas te prostituer. Go and prostitute yourself. Tu m'appartiens, tu m'appartiens. You belong to me. Dis, non, 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 je ne t'appartiens pas. No, 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 I don't belong to you. Dis, Satan, non, non, je ne t'appartiens pas. No, 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 Satan, I don't belong to you. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Satan te dit ne va pas, ne va pas. Satan tells you don't go. Tu m'appartiens. You belong to me. Je dis non, non, Satan, je t'appartiens pas. Say no, 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 Satan, I don't belong to you. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Et lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Satan te dit tu m'appartiens. Satan tells you I belong, you belong to me. Je dis non, non, Satan, je t'appartiens pas. Say no, 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 I don't belong to you. Je donne ma vie à Jésus. I give my life to Jesus. Tu te lèves, tu viens. Rise up and come. Tu te lèves, tu viens. Rise up and come. Tu te lèves, tu viens. Rise up and come. Satan te dit ne va pas, ne va pas, tu m'appartiens. Satan tells you don't go, don't go, don't go. Tu dis non, non, Satan. Say no, 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 Satan. Je ne veux pas, je ne veux pas. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Satan te dit ne va pas, tu m'appartiens. Satan tells you. Don't go, don't go. Tu dis non, Satan, tu mens. C'est non, Satan. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. I belong to Jesus, I belong to Jesus. Et lève-toi, tu vas devant. And you stand up and go in front. Si tu restes assis, you remain sitting. Tu es en train de dire que tu appartiens à Satan. You are saying that you belong to Satan. Tu es en train de dire à Jésus, ne me touche pas. You are telling Jesus, don't touch me. J'appartiens à Satan. I belong to Satan. Si le diable te dit ne va pas, Satan tells you don't go. Il dit Satan va-t'en, je donne ma vie à Jésus. C'est Satan, no, I go away, I give. Lève-toi, tu viens. I rise up and come. Viens mon ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Is there someone here? À qui Satan est en train de dire? To whom Satan is saying? Tu m'appartiens. You belong to me. Je dis non, non, non. Say no, no, no. Je t'appartiens pas. I don't belong to you. Je donne ma vie à Jésus. I'm giving my life to Jesus. Et lève-toi, tu vas devant. Rise up and go in front. Lève-toi, tu vas devant. Rise up and go in front. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que le diable est en train d'exhorter. The devil is exhorting. En disant, ne donne pas ta vie à Jésus. He says, telling you don't give your life. Je dis, Satan, va-t'en arrière de moi. C'est Satan, viens. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Rise up and go and give your life to Jesus. Si tu es de ce côté. If you are on this side. Si Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Lève-toi. Rise up. Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Lève-toi. Rise up. 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 Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Nous t'arrachons d'entre les mains des démons. We snatch you from the hands of demons. Nous t'arrachons d'entre les mains des démons. We snatch you from the hands of demons. Nous t'arrachons de la prison. We snatch you from the prison. Nous t'arrachons de la prison. We snatch you from the prison. Nous t'arrachons de la prison. We snatch you from the prison. Nous t'arrachons de la prison. We snatch you from the prison. Nous t'arrachons de la prison. We snatch you from the prison. Nous t'arrachons de la prison. We snatch you from the prison. Nous t'arrachons de la prison. We snatch you from the prison. Nous t'arrachons de la prison. Snatch you from the prison. Nous te délivrons des chaînes. We deliver you from the chains. Lève-toi et viens. Rise up and come. Je vais commencer la prière. I'm going to start praying. Si tu restes assis, if you remain seated, volontairement, voluntarily, après qu'on ait prié et jugé les démons, after we've prayed and cast out demons, tu es en train d'appeler sur toi-même. You are calling upon yourself. Le jugement de Dieu. God's judgment. Le jugement de Dieu. God's judgment. Ton attitude. Your attitude. Est une preuve que ton cœur est mauvais. It's a proof that your heart is wicked. Et tous les méchants seront tourmentés. And all the wicked will perish. Tous les méchants seront tourmentés dans le lac de feu. And all the wicked will be tormented in the lake of fire. Et ici présentement. And here presently, tu vas rentrer chez toi sans bénédiction. You will go away without any blessing. Parce que la Bible dit, because the Bible says, si quelqu'un détourne son oreille, if someone turns his ears, pour ne pas écouter la loi, to the law, sa prière est une abomination. Even his prayer is an abomination. Donc, je vais prier maintenant. So we're going to pray now. Levez vos mains. Raise your hands, please. Levez vos mains. Raise your hands, please.
Vous êtes devant le Seigneur Jésus. You are standing before the Lord Jesus. C'est une bénédiction. It's a blessing. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Pardonne-moi tous mes péchés. Forgive all my sins. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Mes péchés en parole, en pensée, en action. My sins in words, in thoughts and in action. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Lave-moi par ton sang. Wash me with your blood. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Afin que quand tu viendras, so that when you come back, que je sois avec toi, I'll be with you. Dans ton royaume, in your kingdom. Je ne veux plus recommencer cette vie. I'll no longer begin this life. Que j'abandonne aujourd'hui. That I'm abandoning today. Bénis-moi. Bless me. Je vais étudier la parole avec tes enfants. I'll study your word with your children. Sépare-moi de toute la malédiction qui est dans ma famille. Separate me from all the curses that are found in my family. Sépare-moi. Separate me. Des envoûtements. From bewitchment. De l'idolâtrie. From idolatry. Je me donne à toi. I give myself to you. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Tends ta main vers ici. Stretch your hands this way. Bénissons ces enfants. Let's bless these children. Prions ensemble. Oh Jésus-Christ. Que tes desseins s'accomplissent dans leur vie. May your purposes be accomplished in their lives. Que tes desseins s'accomplissent dans leur vie. May your purposes be accomplished in their lives. Que tes desseins s'accomplissent dans leur vie. May your purposes be accomplished in their lives. Oh Jésus-Christ. Oh Jesus Christ. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen. Qui a un témoignage pendant qu'on menait le combat, qui a été délivré, qui a vu une vision? Who had a vision? Who was delivered while we were? Viens rapidement donner. Please come quickly and give it. Gloire à Dieu. Pendant qu'on menait le combat, tout de suite, j'ai reçu une vision où il y a eu du monde et il y avait du bois dans leurs mains. Ce monde-là, tout fâché, ils sont allés casser. Ils sont rentrés dans un village. Ils ont cassé toutes les maisons. Et ils ont libéré les personnes qui étaient cachées dans ces maisons. Amen. C'est comme ça que j'ai vu. Et ils partaient dans un deuxième village pour aller casser encore. Ils étaient très fâchés. Et ils ont libéré toutes ces personnes qui étaient cachées dans les maisons. Amen. Je suis la sœur Loès Marie Essa, disciple de Pasteur Isidore. Pendant qu'on priait, c'était comme si il y avait un homme noir qui était assis en moi. Et je recevais que je te délivre. Cet homme noir, je le rends en poussière. Et c'est comme, je me sentais faible. C'est comme si cet homme, on le brisait. Ses épaules, on brisait. Tout descendait comme la poussière. Vraiment. Et après, j'ai reçu une vision, comme quelque chose me quittait. Et depuis, je reçois seulement la délivrance. C'est comme si il y a une autre personne qui me possédait, qui était pourrie. Et le Seigneur en train de me laver de son sang, et cette personne en train de disparaître. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Amen. Les délivrances de ce soir seront très grandes. Deliverances of this evening will be very great. Pas nécessairement par les manifestations. Not necessarily through manifestations. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire. You see what she was saying? Un homme était assis sur elle, il est parti. Il y a l'autre, il est pourri ici, il est même pourri. Man donc, was seated in Dieu est en train de l'enlever. Someone was already rotten and God was. Donc tu peux être là, tu portes un cadavre spirituel. You can be seated there and you are carrying a spiritual corpse. Qui peut te délivrer de ça? Who can deliver you from such? C'est ce que Jésus va faire. That's what Jesus will do. Que quand vous entendez déjà dire les choses ne marchent pas, les choses ne marchent pas, ça vient de loin. When you hear people say things are not working out for me, things are not working out, it comes from afar. Tu dis bonjour à quelqu'un, il se fâche. You say good morning to someone, the person gets angry. Tu essaies de lui dire que mais je te salue, il se fâche davantage. You say but I'm greeting you and you are getting angry, he gets more angry. C'est l'odeur de cadavre. That is. Tu énerves tout le monde. The stench of the corpse, which gets everyone angry. On dit donner 10 000 francs à tout le monde. They say give 10,000 francs to each one. Quand toi tu arrives, on te donne 2 000. When you arrive, you are giving 2,000 francs. Tu veux te plaindre, on te chasse. You want to complain, they send you away. Tu vas même voir le patron, dit mais qu'est-ce qui ne va pas? You go and see the boss, yes, but what's happening?
Et tu fermes la bouche. And you close your mouth. Et c'est comme ça toute ta vie. And then your whole life is that way. Quand un cadavre est assis sur toi, when a corpse is seated, qu'est-ce que tu peux devenir? What can you become? Vous savez, dans le monde spirituel, you know, in the spiritual world, il y a plusieurs armes. There are many weapons. Il y a aussi plusieurs esprits. There are many spirits as well. Pour certains esprits, for some spirits, même le petit pistolet, just the little pistol, même le jouet même des enfants, tu prends, tu les frais, je vais te tuer, il s'en va, il fuit. Just the toy of children, when you just say, I'll kill you with it, just frighten it, it goes away. Pour d'autres, il faut des avions, des chasses. For others, you need war planes. Goliath seul, Goliath, un homme, a gardé Israël 40 jours, personne ne bouge. Une seule personne. Goliath alone kept the armies of Israel for 40 days. No one could move. Par contre, il y a d'autres, si tu dis, ne t'amuse pas, il disparaît. Whereas for some others, you just stand up and say, don't joke, and then it goes away. Goliath dit à ses frères, ne reposez-vous. Goliath told his brothers, just rest. Ne dépassez pas votre énergie pour rien. Moi, je vais aller voir ça. Do not waste your energy over nothing. I will go and handle it. Then he comes. Il insulte tout le monde. He insulted everyone. Il insulte Dieu. He insulted God. Personne ne bouge. Nobody could move. C'est quand David va venir. It's when David came. Il dit aussi à ses frères, restez tranquille. He also told his brothers, be calm. Je donne la chair des Philistins aux oiseaux du ciel aujourd'hui. I'll give the flesh of these Philistines to the birds of the air today. Quand il a sorti l'arme, when he took his weapon out, c'était une arme spirituelle. It was a spiritual weapon. Même quand Goliath a regardé, il ne voit rien. When Goliath saw it, he could see nothing. Si tu dis à quelqu'un, je veux te tuer au nom de l'Éternel, qui comprend que tu dis quoi? If you tell someone I'm going to kill you in the name of the Lord, what does he understand by that? Quelqu'un qui a un long javelot, un bouclier, son bouclier c'est un homme qui porte. Someone who had a long javelin. Sa lance. And his breastplate was someone who carried it. S'il te frappe, his spear, ça te cloue là par terre. If he strikes you with it, it just sticks you to the ground. Donc lui il vient avec les épées, les javelots, came les with boucliers, sword, javelin, avec un aide de camp, breastplate. Mais un petit enfant vient par la foi. And then a little boy comes by faith. Une arme spirituelle. A spiritual weapon. Bam! Bam! Goliath est à terre. Goliath on the floor. Le front percé. With his head broken. C'est ce type de victoire là. That is a kind of victory. Qui va se passer dans ta vie ce soir. That will happen in your life this evening. C'est pour ça, le Seigneur, c'est là que le Seigneur dit que le faible dit je suis fort. That's pourquoi? Why the Lord says, let the weak say, I am strong. Pourquoi Dieu dit-il cela? Why does God say that? Parce que en réalité, because in reality, tous les frères à travers le monde, all the brethren around the world, ne sont rien du tout sans Jésus. Are nothing at all without Jesus. Hallelujah. Hallelujah. La chose qui te donne la victoire, that which gives you victory, c'est dans ton élection. It's in your election. En Jésus-Christ. In Jesus Christ. C'est pour cette raison qu'il a dit. That's why he said. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. C'est par l'amour que nous restons ensemble. It is by love that we stay together. Ne te retire pas pour chercher ton intérêt personnel. Do not withdraw to seek your personal interest. Dieu ne te donnera pas raison. God will not give you men. Si tu as quelque chose contre ton frère, if you have something against your brother, pardonne maintenant. Forgive. La victoire de ce soir exige cela. The victory of this evening demands that.
S'il faut que le Seigneur change ta peau, il va changer. If the Lord has to change your skin, he will change it. Même s'ils avaient déjà remporté la victoire, even if they had already had Jésus victory, va renverser la situation. Jesus will overturn the situation. Commence à intercéder. Begin to intercede. Dis Seigneur, agis. Say Lord, act. Agis dans les profondeurs. Act in the depths. Agis dans les lieux célestes. Act in the heavenly places. Agis dans les forêts. Act in the forests. Agis dans tous les territoires. Act in all territories. Agis. Act. Agis dans les eaux. Act in the waters. Agis sous les eaux. Act under the waters. Agis sous les eaux. Act on the waters. Parle-lui, il est notre Père. Speak to him, he's our Father. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. He says, call upon me in the day of trouble. Je te délivrerai, tu me glorifieras. I'll deliver you and you glorify me. Dis-lui, Seigneur, vois ma détresse. Say, Lord, see my distress. Vois ma détresse. See my trouble. 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 Agis. Act. Agis. Act. Agis. Act. Agis contre les esprits. Act against spirits. Agis contre les hommes pervers. Act against perverse men. Agis contre les incrédules. Act against the unbelievers. Agis pour sauver. Act to save. Agis pour délivrer. Act to deliver. Agis. Act. Agis. Act. Agis. Act. Agis. Oh Père, agis. Oh Father, act. Oh Father. Agis par tes compassions. Act by your compassion. Agis selon tes promesses. Act according to your promises. Agis selon tes révélations. Act according to your revelation. Agis selon ta lumière. Act according to your light. Agis selon ton alliance. Act according to your covenant. Agis. Act. Selon ton alliance. According to your covenant. Selon l'alliance du sang. De Jésus. The covenant of the blood of Jesus. Agis. Act. Pour restaurer. To restore. Pour sauver. To save. Pour sauver. To save. Pour délivrer. To deliver. Pour libérer. To set free. Pour guérir. To heal. Agis. Act. Agis. Act. Agis. Act. Continue à prier. Continue to pray. Ora baka joro baka go baka joro baka go baka jirbaka. Ora baka joro baka go baka jirbaka go baka jirbaka. Rabaka jorbaka gobaka jerbaka gobaka jerbaka gobaka jorbaka gobaka jerbaka rabaka jorbaka gobaka jerbaka rabaka jerbaka. Dis Seigneur, c'est Lord, pardonne les conséquences de notre idolâtrie. Forgive the consequences of our idolatry. Pardonne les conséquences de notre idolâtrie. Forgive the consequences of our idolatry. Et délivre-nous. And deliver us. Délivre-nous. Deliver us. Délivre mes parents. Délivre-nous. Délivre nos parents. Deliver our parents. Exauce-nous, Seigneur. Answer us, Lord. Exauce-nous, Seigneur. Answer us, Lord. Tu as dit que nous formons un royaume. You said that we make un royaume de sacrificateurs. A kingdom of priests. Souviens-toi de l'offrande. Remember the offering. Du sang de Jésus. Of the blood of Jesus. Qui nous établit dans cette fonction. Which establishes us in this role. Oh Père. Oh Father. Agis. Act. Agis. Act. Continue à prier. Continue to pray. Oh la baka joro baka baka joro baka. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tous les blocages soient brisés. May all the blocks be broken. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous les blocages soient brisés. May all the blocks be broken. Que toutes les barrières soient brisées. May all barriers be broken. Continue à prier. Continue to pray. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons. We break. Tout envoûtement. Every bewitchment. À travers la malédiction humaine. Through human curses. Nous brisons. We break. Tout envoûtement. Every bewitchment. À travers les paroles de malédiction. Through words of curses. Des membres de ma famille. From my family members. Des amis. From friends. Ou des collègues. From colleagues. Ou des hommes spirituels, from spiritual men, les chefs religieux,
religious heads. Ce pasteur était maudit, dit j'anéantis cette malédiction. Pastor cast it, cast it. Continuons à prier. Let's continue to pray. Au nom de Jésus, say in the name of Jesus Christ, que la terre s'ouvre, may the earth be opened, qu'elle avale toutes ces paroles, and swallow all those words. Continue à prier. Continue to pray. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons. We break tout envoûtement. Every curse. À travers les initiations traditionnelles. Through any initiation. À travers tous les actes initiatiques. Through every act of initiation. Tous les rites initiatiques. Every initiative rites. Toutes les danses. All dances. Initiatiques. Initiative dances. Tout. All. Toutes les coutumes. All customs. Toutes les traditions. All traditions. Continue à prier. Continue to pray. Au nom de Jésus. So in the name of Jesus. Nous brisons. We break tout envoûtement. Every bewitchment. À travers les ordres que Marabout nous a donné. Order of a witch doctor. Si Marabout t'avait dit ne regarde pas derrière. If a witch doctor had told you not to look behind. Et si tu avais obéi. And you obeyed. Tu brises cette malédiction. Break that curse. Et tu brises cet envoûtement. Break that bewitchment. Continue à prier. Let's continue to pray. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous brisons. We break tout envoûtement. Every bewitchment. À travers les boissons et la nourriture. To drink les boissons food. Et la nourriture. To drink or food. Les boissons et la nourriture. Drink and food. Lors des cérémonies. During ceremonies. Les cérémonies funèbres. During funeral ceremonies. Les cérémonies de baptême. Les cérémonies de mariage. Marriage ceremony. Partout où un piège a été tendu. Everywhere that a trap was set. Les pièges. Traps. À travers les boissons, la nourriture. To drink and food. Lors des événements. During events. Nous détruisons tout. We destroy all. Nous brisons tout. We break all. Continue à prier. Continue to pray. Amen. Amen. Gardez le calme. Please be quiet. Gardez le calme. Please be quiet. Que tout démon qui doit partir s'en aille. Let every demon that must go out go now. Va-t'en vite. Be gone quickly. Sors et va-t'en. Out and be gone. Jésus t'a vaincu. Jesus has overcome you. L'église t'a vaincu. The church has overcome. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Out and be gone. Vite. Quickly.
Vite! Quickly! T'arraches tout ce que tu as volé. We snatch from you all that you've stolen. Tu vas rentrer comme tu es venu. You will go back as you came in. Tu t'en vas comme tu es venu. Go as you came. Tu ne laisses aucune maladie. You leave back no sickness. Tu ne laisses aucune maladie. You leave behind no disease. Va-t'en vite. Be gone quickly. J'ai jugé et frappé. You are just and stricken. Va-t'en vite, be gone quickly. Sors et va-t'en. Out and be gone. Oh Jésus, merci. Oh Jesus, thank you. Merci parce que tu libères les captifs. Thank you because you are setting the captives free. Merci parce que tu libères les captifs. Thank you because you are setting the captives free. Merci parce que tu libères les captifs. Thank you because you are setting the captives free. Oh Jésus, merci. Oh Jesus, thank you. 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 Merci pour tes compassions. Thank you for your compassions. Merci pour tes compassions. Thank you for your compassions. Satan. Satan. Et toute ton armée. And all your hosts. Vous êtes renversés. You are overthrown. Vous êtes exposés en spectacle. Exposed. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jesus has triomphed. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Sors et va-t'en. 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 Out and be gone. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Out and be gone. Vous restez concentré. Remain focused. Le Seigneur est en train d'agir. The Lord is at work. Nous lui faisons confiance. We trust him. Aucun ennemi ne peut rester caché. No enemy can remain hidden. La résistance peut être comprise. Resistance can be understood. Parce que le diable n'a pas un lieu où se cacher. Because the devil has nowhere to hide. Il veut rester avec toi. He wants to stay with you. Jésus dit non. Jesus says no. Sors. Out. Sors. Out. Sors. Out. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors. Out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu as mal quelque part d'une façon inhabituelle, c'est quelqu'un qui s'en va. If c'est un démon. Feel ne pain in any part distrait. Of your body in an unusual way, it is ne, somebody. Ne sors pas pour courir aller vomir loin. Comme je vois quelqu'un faire là-bas, ça c'est pour calmer les démons. Don't want to go and vomit far away. Il faut vomir là, ça c'est notre terre. You can vomit there. This place belongs to us. Les démons partent quand on crache. Demons go out when we spit. Quand on baille. When you yawn. Quand on pousse un cri, et c'est eux qui travaillent. When you shout out. Quand tu sens une douleur. When you feel a quand ils te jettent par terre. When you fall on the ground, dans la Bible, Jésus a prié pour un enfant. Les démons l'ont jeté par terre avec violence. Les gens croyaient qu'il est mort. In the Bible, Jesus prayed for a child with evil spirits. The demons threw him on the ground. People thought that si he had died. La nausée, if you have nausea, ça c'est un départ. That is a departure. Si c'est une toux anormale, if it's an unusual cough, c'est un départ. Ne perds pas le temps pour aller tousser. Il y a des gens qui sont très polis. C'est dispatch. Les civilisés ne veulent pas tousser à côté des don't autres. Don't waste time to go and cough far away. The people are very civilized. They don't want to cough around people. Tu fais ça. If you do it. Quelqu'un qui était déjà à la porte pour sortir, il va revenir s'asseoir. Someone who was already at the door, ready to leave, will come back and sit. Tous les démons souhaitent qu'on finisse vite. All demons wish that we should finish quickly. Ils se disent que on connaît l'heure de la fin, les carrés attendent. They say that they know the time that will stop, so they wait.
Donc ils cherchent à résister. So they want to resist. Mais quand nous coopérons avec le Saint-Esprit, when we cooperate with the Holy Spirit, la résistance est brisée. Resistance is broken. Donc restez concentrés. So remain focused. Satan. Sors et va-t'en. Out and be gone. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es là. Whatever be the reason for which you are here. Quelle que soit la raison. Whatever the reason. Quelle que soit la raison. Whatever the reason. Si tu es un mauvais esprit. If you are a wicked spirit. Si tu es un démon. You are a demon. Si tu es un esprit humain, esprit d'un mort, esprit d'un parent. You are a human spirit, a demonic spirit. Si tu es un mauvais esprit. If you are an evil spirit. Commandons que tu t'en ailles. Command you to go. Sors tout de suite. Out right away. Sors et va-t'en. Out and be gone. Go baka shaka baka roka chapaga. Ora baka shoro baka sharga baka sharga. Ora baka sharga baka sharga baka. Ora baka. Toi, esprit de serpent. You, the spirit of snakes. Si tu veux qu'on t'appelle par ton nom. If you want to be called by your name. Avant que tu ne partes. Before you leave. Esprit de serpent. Snake spirit. Va-t'en maintenant. Out now. Sors et va-t'en vite. Out and be gone quickly. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Brise ta résistance. You break your resistance. Tu es un esprit de serpent. You are a snake spirit. Quel que soit qui, celui qui t'a envoyé. Whoever sent you. Va-t'en maintenant, sors. Out now and be gone. Va-t'en, sors, vite. Be gone, out, quickly. Sors, va-t'en. Out and be gone. Sors. Out. Et tous les autres. And all the others. Tous les autres esprits de serpent, faites comme lui. Partez vite. All the other snake spirits, behave like him and go away. Va-t'en. Out. Tous esprits de serpent. Every snake spirit. Quel que soit le but pour lequel on t'a envoyé. Whatever the goal for which you were sent. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es venu. Whatever the reason for which esprit you came. Esprit de serpent. Snake spirit. Esprit du serpent. Snake spirit. Esprit du serpent. Snake spirit. Partout où tu te trouves. Wherever you are found. Sors maintenant. Out now. Sors. Out. Quel que soit le but pour lequel tu es là. Whatever the goal. Va-t'en, vite. Out, quickly. Sors. Out. Sors. Out. Vite. Quickly. Et tous les autres esprits de serpents. And every. Faites la même chose. Do the same. Sortez. Out. Le jugement est sur vous. The judgment is upon you. Sortez. Out. Tous les esprits de serpent. Every snake spirit. Tous les esprits de serpent. Every snake spirit. Sortez maintenant. Ora bakashara 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 baka. Ora bakashara bakashara baka. Bakashara baka. Restez concentrés jusqu'à ce que la dernière résistance soit brisée. Just remain concentrated until. The last resistance is broken. Le Seigneur ne va pas s'arrêter avant que les autres ne partent. The Lord will not stop until all the others have gone. Esprit méchant. Wicked spirit. Tu vas partir. You must go. Et tu t'en vas tel que tu es venu. And you go as you came. Tu ne voles rien et tu ne laisses rien d'impur. You steal nothing. Tu ne voles rien. No unclean thing. Tu ne laisses rien d'impur. And you leave back no unclean thing. Tu ne laisses aucune maladie.
You leave back no disease. Tu ne laisses aucune maladie. You leave back no disease. Go bakashaka rabako shakaba. Orabakasha. Si la personne est enfermée dans la même pièce que toi. If the person is closed in the same place like you. Et tu ne sais pas ce que tu dois faire quand on te dit de sortir. And you don't know what to do when they ask you to go out. Nous cassons cette pièce. We break that box. Nous libérons la personne. And we set the person free. Et nous te taillons en pièces. And we cut you to pieces. Cassons la pièce. We break. Nous libérons la personne. And we set the person free. Nous te taillons en pièces. We cut you to pieces. Kora bakashar ga bakashor ga bakashar ga bakashor ga bakashor ga Si c'est dans l'eau que vous êtes, if you are found in the waters, nous libérons la personne. We set the person free. Et nous te frappons dans les eaux. And we strike you in the waters. Si tu es associé aux esprits des jumeaux, if you are associated with the spirit of twins, nous te chassons. We cast you out. Et nous vous dispersons. And we scatter you. Si tu es l'esprit d'un mort, if you are the spirit of a dead person, esprit d'un mort, spirit of a dead man or woman, parent, relative, père ou mère ou grand-père ou grand-mère, father, mother, grandfather or grandmother, oncle ou tante, uncle or aunt, tu es jugé, the just, père et va-t'en, libère et va-t'en, release and go away, release and go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu es l'esprit des morts, if you are the spirit of a dead person, sors vite et va-t'en. Out and be gone quickly. Si tu es un démon de sommeil, the demon of sleep, dis Jésus est roi. So Jesus is king. La mort est le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. Death and Hades. Dans la ruine et la désolation. In ruin and in desolation. S'il y a un esprit, dit mari de nuit. If there is a spirit, toi esprit, spirit de, husband, esprit, your spirit, impur, unclean spirit, appelé mari de nuit. God's spirit husband. Le jugement de Dieu. God's judgment. Le jugement est contre toi. God's judgment is upon you. Sors maintenant et va-t'en. Out and be gone. Tous tes captifs sont libérés. All your captives are set free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu viens du combien? If you come from combien? Si tu as suivi quelqu'un? And you followed someone? À cause de l'adoration du combien? Because of the worship of combien? Va-t'en, sors. Out and be gone. Jésus Christ. Jesus Christ. Si tu as suivi quelqu'un, if you follow someone, à cause de l'adoration des masques, because of the worship of masks, sors et va-t'en. Out and be gone. Tout esprit, every spirit, soutenu par le culte aux masques, backed by the worship of masquerades, tu es jugé. You're just. Reste concentré. Be focused. Tu dis, je ne suis pas une habitation des démons ou des maladies. Say, I'm not a dwelling place for demons and diseases. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Et je me consacre à Jésus. And I consecrate myself to Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toute personne, everyone, qui a été envoûtée, who was bewitched, à travers une photo dont on a mise, une photo qu'on a mise dans une bouteille, through a picture that was put in a bottle. Nous cassons cette bouteille. We break that bottle.
Nous libérons la personne. I will set the person free. Dis au nom de Jésus-Christ. Say in the name of Jesus Christ. Toute personne qu'on a enterrée spirituellement. Every person that was buried spiritually. Cassons la tombe. We break the grave. Commandons qu'elle sorte. And we command the person to come out. Qu'elle soit libre. And be free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Say in the name of Jesus Christ. Toute personne. Every person. Qu'on a enfermé dans une prison spirituelle. Who has been shut up in a spiritual prison. Cassons cette prison. We break that prison. Nous commandons qu'elle sorte. And we command the person to come out. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons le pouvoir de l'occultisme. We break the power of occultism. Alléluia. Alléluia. Dis Jésus, tu es puissant. Say Jesus, you are powerful. Tu donnes la victoire totale. You give total victory. Non, il y a encore. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toute personne sur qui on a jeté la boue. Every person on whom mud was thrown. Nous te lavons. We wash you. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Nous enlevons la boue sur toi. We take away the mud, the garbage from you. Nous prophétisons la grâce et la faveur devant toi. We prophesy grace and favor before you. Nous prophétisons la grâce et la faveur devant toi. We prophesy grace and favor before you. Oui, continuons. Lavons toute personne sur qui on a mis la boue, sur qui on a mis la boue. Let's wash everyone on whom garbage was thrown. Lave. Wash. Lavons les noms qui ont été salis. Que le Seigneur les lave, les purifie. Let's wash the names. That have been defiled, that the Lord wash and purify them. Va-t'en! Be gone! Continue à purifier. Continue to purify. Débloquons toute affaire qui était bloquée. Let's unblock every business that was blocked. Commandons que toutes les portes que l'ennemi a fermées soient ouvertes. Let's proclaim that every door that the enemy has closed be open. Commandons que ça s'ouvre. Let's come out and it should be open. Commandons que les portes s'ouvrent. Let's come out and the doors should be open. Commandons que les portes s'ouvrent. Let's come out and the doors should be open. Commandons que les portes s'ouvrent. Let's come out and the doors should be open. Bakara. Dis au nom de Jésus que les portes s'ouvrent. In the name of Jesus, let doors be open.
Dieu, au nom de Jésus. So in the name of Jesus. Nous libérons les mariages miraculeux. We release miraculous marriages. Continue à prier miraculeux, miraculeux. Miraculous, miraculous. Dieu, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous libérons les enfantements miraculeux. We release miraculous childbirths. Les enfantements miraculeux. Miraculous childbirths. Continue à prier. Continue to pray. Dieu, au nom de Jésus. Oh Jesus. Nous libérons les emplois miraculeux. Release miraculous employment. Continue à prier. Continue to pray. Dieu, nous proclamons. And we proclaim. Que la chose sera telle que tout le monde dira, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. C'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. It's the finger of God. C'est le doigt de Dieu. The finger of God. Dis, tout le monde dira. And everyone say. C'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. The hand of God is the hand of God. C'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. The hand of God, the hand of God. Continue à prier. Continue to pray. Dis, nous libérons les guérisons miraculeuses. So we release miraculous healings. Les guérisons miraculeuses. Miraculous healings. Et tout le monde dira, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Which everyone will say, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. It's God who has done it, it's God who has done it. C'est Dieu qui a fait. It's God who has done it. C'est Dieu qui a fait. It's God who has done it. C'est un miracle. It's a miracle. C'est Dieu qui a fait. It's God who has done it. C'est un miracle. Dis, tout le monde dira, c'est un miracle, c'est un miracle. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a guéri. 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 Gardez le calme. Please be quiet. Oui, sortez. Yes, be gone. Tu ne resteras pas. You will not stay back. Même si tu es sous une pierre. Even if you are standing on a rock. Même si on t'avait attaché que tu ne quitteras point. Even if you are tied and that you never je go. Taille ces liens en pièces. Cut this into pieces. Korabaka sharabaka. Oui. Va-t'en vite. Be gone quickly. Que rien ne reste. Let nothing remain. Jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Until the roots. Tu ne reviens plus jamais. And you never come back. Prenez tout ce qui touche là, allez chasser les démons. Take all those who are coughing to go and cast out the demons. Ne pensez pas que ça va évoluer, c'est ça la méthode de celle-là. Don't think that will evolve from there. That's how those ones manifest. Que tout soit vomi, 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 vomi. Let all be vomited, vomited, vomited. Que rien ne reste dans les entrailles de quelqu'un. Let nothing stay in the womb of anyone. Même si on avait craché dans ta bouche quand tu étais bébé. Even if they spat into your mouth. Que tout cela sorte au nom de Jésus-Christ. Let it come out in the name of Jesus. Si on avait fait avaler la salive d'un sorcier. If you were made to swallow the saliva of a witch. Que sorte maintenant. Let it come out now. Que tu restes libre. And may you stay free. Que sorte. Let it come out. Si un sorcier
t'a fait avaler sa salive. If a witch or wizard made you to swallow his spittle. Et tu grandis sans savoir ce que tu as. You grow without knowing what you have in you. Que tout sorte maintenant. Let it all come out. Tout sorte maintenant. Let it come out now. Que tu sois lavé par le sang de Jésus. Maybe washed with the blood. Lavé par le sang de Jésus. Washed by the blood of Jesus. Lavé par le sang de Jésus. Washed by the blood of Jesus. Purifié par le sang de Jésus. Purified by the blood of Jesus. Même si c'est un marabout. Even if it's a witch doctor. Même si quelqu'un t'a trompé, que monte la main, je crache dessus, tu lèches, c'est une bénédiction. Even if someone told you to put your hand and then for him to spit. Même si tu as oublié. For you to lick it. Even if you've forgotten. Tu es libéré. You are released. Jésus te délivre. Jesus delivers you. Si tu as déjà baillé plusieurs fois et ça ne finit pas, comment on veut déjà arrêter, tu te lèves, tu vas vers la délivrance. If you have been yawning for tu ne rentres time, pas avec. And want to stop, it's not ending, just go towards the deliverance team. La Bible dit que Jésus a décidé que les dominations et les autorités vont connaître à travers l'Église l'infinie sagesse de Dieu. Bible says that dominions, authorities will know through the church the wisdom, the infinite wisdom of God. Dites merci Seigneur Jésus. Say thank you Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Nous avons affaire depuis avant-hier aux démons. Parce que nous sommes là depuis, donc ceux qui sont façon, donc fuient, quand on dit, tu sais quoi, même déjà ils ont fui. Les autres, dès qu'on a commencé, ils fuient seulement en foule. Ceux-ci veulent rester, c'est dire qu'ils sont déjà en train de tendre vers la fin. Est-ce qu'on peut serrer un peu? Donc, c'est la consécration de chaque jour qui va les ébranler. Quand tu rentres, tu renoues ton amitié avec Jésus. Alléluia. Tu fais des prières de consécration. Lisez pour nous Jérémie chapitre 2. Read for us Jérémie chapitre 2. Verset 1 à 2. Verse 1 and 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Israel was dedicated to the Lord. Il était les prémices de son revenu. Il était les prémices de son revenu. Was the first fruit of his wealth. Tous ceux qui en mangeaient s'en rendaient coupables. Tout ce qui en mangeait s'en rendait coupable. Each one who ate of it was guilty. Et le malheur fondait sur eux. Et le malheur fondait sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? And pain came upon them. Dieu dit que quand Israël était consacré à Dieu, the Lord says that when Israel was consecrated to God, Dieu veillait sur lui. God watched over him. Si quelqu'un le touchait, if someone touched him, Dieu le frappait. God struck him. Vous voyez le rôle de la consécration. Do you see the role of consecration? La consécration t'amène à être une propriété de Jésus. Consecration makes you to be Jesus's property. Quelqu'un qui appartient à Jésus. Someone who belongs to Jesus. Et là, il ne peut pas permettre qu'on te touche. And there he cannot allow you to be touched. C'est pour cette raison qu'il faut, au fur et à mesure que le combat avance, tu te consacres. That's why as we move on in the warfare, you should consecrate yourself. Et la consécration est une chose progressive. And consecration is progressive. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire que il s'est déjà définitivement et entièrement consacré à Dieu. There can be no one who can say he has been definitely or entirely consecrated to God. C'est une chose de chaque jour.
It is something. Chacun porte sa croix chaque jour. Done every day. Each one carries his cross every day. Par exemple. For example. Quand j'étais au lycée. When I was in high school. J'étais consacré. I was consecrated. Mais je n'avais pas d'argent. But I had no money. Donc, quelqu'un pouvait dire qu'il aime Dieu hein, beaucoup même. Someone could say at that stage that he loves God so Après, much. Après, j'ai fini les études. Afterwards, I complete my studies. Je commence à travailler. Then I begin to work. J'ai l'argent. I have money. Il faut maintenant prouver que tu aimes Dieu avec l'argent dans les poches. You should now prove that you love God with money Donc, in your pocket. Tu renouvelles ta consécration selon ce que tu es devenu. So you renew your consecration with regards to what you have become. Vous avez vu les gens pauvres, on prie dès qu'ils trouvent le travail, ils commencent à marcher comme ça. On leur dit qu'il y a réunion, ils disent non, je n'ai pas le temps, mon patron m'attend. You see people who are poor, we pray as soon as they get a job. You tell them there's a meeting, there's a prayer meeting, they start walking like that and say, no, my boss is waiting for me, I don't know. Le frère Traillé nous a rendu un témoignage ici. Pastor Traillé, share a testimony with us. Quelqu'un qu'on a désenvoûté. Someone was disbelieved. Après la délivrance, le mois qui suivait, il a eu un marché de 720 millions. After his deliverance, the months that followed, he had a contract of 720 millions. Il m'a appelé, je suis allé bénir sa maison, il a acheté 3 maisons. He called me, I went and blessed his house, he bought 3 houses. Il a acheté 3 voitures. He bought 3 cars. Et il vient me dire que il veut se marier. And he came and told me that he wanted to get married. Il est un homme déjà marié, ça dit, il vit dans l'adultère. Il vit même déjà dans l'adultère. Il nous demande pardon d'accepter qu'il garde la fille là. On a dit non. A married man living in adultery. He came and was begging us that we should allow him to keep the girl. Il veut nous faire des cadeaux. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dans cet évangile des cadeaux empoisonnés là. We are not inside those poisonous gifts. Il est parti. He went. Il a quitté l'église. He left the church. Il est parti ailleurs. He went elsewhere. Et finalement, on nous a dit qu'il est parti, il est mort. And finally, we're told that he went and he died. Il fallait que cet homme renouvelle sa consécration avec 720 millions dans la poche. This man, qu'il montre qu'il aime Dieu avec les bénédictions. This man needed to renew his consecration with 720 million in his pocket to show that he loves God with his blessing. C'est pour cette raison que Dieu avait dit à Israël que attention, quand vous allez partir et que vous serez bénis, ne dites pas que nous nous sommes enrichis et vous oubliez votre Dieu. That's why God told Israel that when you leave this land and then you'll be blessed, don't say that it is by strength that we got rich and then you forget your God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu est bon. God is good. Mais il faut le connaître. But you should know him. Donc la consécration, le matin tu te consacres, à midi tu te consacres. So in the morning soir, you consecrate yourself. At midday you consecrate yourself. In the evening you consecrate yourself. Un jeune homme célibataire. An unmarried young man. Il est consacré. He's consecrated. Mais quand il se marie, when he gets married, il faut qu'il soit consacré en tant que mari aussi. He needs to be consecrated as a married man, a husband. Je pense que c'est très clair. I think it's very clear. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Vos oreilles sont bénies. Your ears are blessed. Parce que vous écoutez les choses merveilleuses. Because you are listening to wonderful things. Vous commencez très bien la marche chrétienne. You begin the Christian walk very well. Je ne t'ai pas vu quand tu t'es élevé. Tu avais fait la prière que tout le monde a faite là. Tu as fait le temps là-bas. Oui, tiens-toi debout. Stand, please. Oui. Dis, Seigneur Jésus, je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est toi qui m'as attiré. Mais je dis oui. Je dis volontairement oui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Bénissons-la comme on a béni les autres. Let's bless us, we bless the others. Seigneur, nous bénissons notre sœur. Qu'elle soit enracinée, établie dans les desseins de Dieu.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Round of applause to Jesus Christ. C'est merveilleux. It's wonderful. De servir celui qui vit éternellement. To serve he who lives forever. Quand il délivre. When he delivers. Il délivre franchement. He delivers